Bon, les gens, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo très spéciale. J'ai la tête dans le cul, un truc de fou. Et Pépite, regardez. C'est mon petit oiseau, ça va Pépite? Je t'emmerde. Un petit you-you du Sénégal. Bref, j'ai la voix cassée et tout, laisse tomber. Aujourd'hui, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une petite vidéo. Ça change de d'habitude, ça va être une petite vidéo vlog en fait. Aujourd'hui, je dois aller me faire tatouer. Là, dans une demi-heure, je dois partir. Et je viens juste de me lever, donc je vais être à la bourre. J'ai pas déjeuné, rien. Et je vais aller me faire tatouer un tatouage en commun avec ma sœur. Donc franchement, ça va être vraiment cool. Dans la vidéo, il y aura un petit peu de tout. Je vous montrerai aussi le nouvel an, enfin le nouvel an qu'on a fêté avec les potes. Bref, c'est parti, il faut que j'aille déjeuner parce que je vais être à la bourre. Ah oui, c'est fort, hein. Ben oui, mais moi je vois pas. Ah oui, d'accord, je comprends. Rentrez. Là. Ah merde, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, mince. Jamais ça m'est arrivé. Bon, au moins, on sait qu'il marche. Oui. C'est parce que vous avez aéré et du coup la fumée s'est... Oui. C'est évaporé et du coup, j'ai pas eu besoin de toucher. Oui, j'étais en train de faire à manger. D'accord. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai remué ma poêle. Ah. Et ça s'est mis directement en route. Merci beaucoup. De rien, y a pas de soucis. Entendu. Merci beaucoup, monsieur. De rien, madame. Au revoir. Eh ben, il s'en passe des choses dans le quartier. Là, c'est parti. Ça va, ça fait pas trop mal? Ça pique. Ah, ça pique un peu, ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas hyper agréable. Ah, t'as mal? Non, ça va. Ça va? Ouais, c'est pas. Respire. Ouais, voilà, c'est ça, faut respirer. C'est surtout une sensation qu'on n'a jamais vraiment. C'est pas comme des coups d'aiguille. Beaucoup de femmes comparent ça à une épilation. Ah, je pense que c'est pire. Ah, une épilation électrique, à la limite. Ouais, c'est dit, hein, ça a été mieux. Hein. Ah ouais, ça faisait mal dans la main, c'est horrible. Ça fait mal. Ah non, c'est le pire que j'ai eu. Tu te dis que tu peux sentir le poids d'une mouche dans ta main. Ouais, c'est hyper sensible. Cliquer. Ouais. C'est affreux. Mais tu vois, maintenant je suis curieux, j'ai envie de faire. Dans la main? Ouais. Ah ouais, tu serais curieuse au point de te faire défoncer la main. Ouais. Oh, voilà. Là, tu sens un peu plus? Ouais. Ah, il y a des endroits qui sont plus sensibles. Ouais. Dans ce côté-là, ça va. C'est l'autre côté. Pas à l'intérieur. Ouais, ça dépend. Peut-être la peau est plus fine, je sais pas. Bon, on a tout le temps des petits endroits qui sont Un peu plus douloureux, ouais. Tu veux être sur YouTube? Je peux faire un prout? Vas-y. Non, j'ai plus envie. Je peux faire un prout. Tu vas entendre en mode pompette. Normal. Bienvenue chez les Tatou Pirates. Prout. On va dû le garder. T'aurais dû le garder pour maintenant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses si je mets les jambages comme ça, que regarde, que tout rempli. C'est un peu... Lumière, ah, quand tu fais là, là. Ouais, c'est bien ça. Ah, là, ouais. Dans le cas. Dans le cas. Non, tu vois pas peut-être bien. Si, je vois. Ouais, au lieu que ce soit tout noir à l'intérieur, ouais, en fait, c'est un peu comme des ombres. Mais ouais, c'est vrai que tu vois, peut-être que tu vois pas bien. Mais c'est joli comme ça, Lily, ouais. Non, mais je te fais confiance. Bah, si t'aimes pas, après, je peux tout remplir en noir. Oui, après, Je contrôle. Ça fait un peu plus. Bah moi je trouve que c'est joli, ouais, comme ça. Hein? Tu vas devoir rester debout. Bah y'a pas de soucis. Non mais je te dis, j'enlève en cas où tu grasses toi. Tu vas voir la caméra en vue. C'est marrant, mais du coup je suis en train de réfléchir au prochain. Ah bah voilà. Pas... Ah mais ça c'est vrai, ça veut dire que c'est mort. Si tu penses déjà. Pourquoi tu vas devenir comme ton frère? T'imagines? Et l'année prochaine, c'est ah salut ami. On va voir. Une biquette. On est en train de dire les insultes qu'on aime bien, c'est crève. Ah moi j'ai beaucoup niqué ta mère, donc c'est pour ça que j'ai niqué ta mère. Je suis dans une autre dimension. C'est clair. Je suis tombé où? Tu m'as amené où, frère? On est bien ici. Je t'ai
C'est écrit fils de pute aussi. Au-dessus. Normal. Ou alors tu fais tout en finesse, FDP. FDP, ouais, en finesse. Non, mange tes dents, c'est bien. Mange tes dents, ah ouais, mange tes dents, ouais. Tes dents, j'aime bien. Moi, une fois, en festival, on m'a dit ferme ta gueule et bois tes règles. Ah, c'est pas mal. Ah. Ah. Bah, j'aime bien, j'en cuis ton père. Oh. C'est bien aussi. Non, j'en cuis ta mère, c'est moi ton père. Ah, moi j'aime bien, j'en cuis ton père. Ouais, ah, ça, c'est marrant. Bois tes règles, ça, je l'avais jamais entendu. Ah, c'est règles, pas mal. Ça, c'est... Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. C'est violent, quand tu le reçois, t'es là, ok. Ah, mais c'est recherché, quoi. C'est j'y vais. Ouais, je fais ça tout de suite. Attends, je vais chercher mes règles. Ah non, c'est beau, j'aime bien, c'est poétique. Ah mais y en a pour les insultes qui sont poétiques hein. Oh magnifique. Trop beau. Ah ouais. C'est joli hein. Jusqu'à la fin de ta vie. Là, on a plus de choix. Alors, sinon, je mettrais au-dessus une insulte. Va te faire enculer. Ouais. Voilà. J'encule ton père. J'encule ton père, bah, c'est le même. Ouais, c'est le même. C'est le même. Ouais, pas que le père. J'encule papa. J'encule papa. Non, j'encule Kevin. Je finis par. La lettre. Qu'est-ce que t'en penses? Hop là, ouais c'est cool. Ouais franchement c'est cool. Ouais. Ouais, carrément. Je suis content. C'est printemps. C'est printemps. Oui. Il a, allez. Il y a le col fin là-bas. C'est comment qu'on alors il y a l'alcool fin. Attention. C'est mis que ça. Là ouais. On reprend. Ouais. Ah là il rappe tout de nous. Ah il rappe tout. Voilà. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nono, joyeux anniversaire. Et pour le Paris 13, galère. C'est juste un jeu de bowling. Bowling, sauf que les explications à Gary, ça allait pas du tout. Quoi. En gros, en fait, c'était oui, bowling. Et en fait, si tu veux, c'était les trois meilleurs scores qui partaient en finale. C'est juste... Il va en reparler. Vas-y, et vas-y, explique comme les règles. Il y a plusieurs manches à jouer, il arrivait En fait, on faisait trois manches et c'est les trois meilleurs scores qui partaient en finale. Non, les quatre meilleurs. Donc, deux parties là. Ah, toi, tu vas jouer une fois, comment tu joues. T'es parti parce que d'où. En vrai, on est les derniers. On était les derniers là. Oui, mais pourquoi, en fait, on va rejouer là en fait. Bah, en fait, on a joué une fois, on a fait un concours, on va refaire un autre concours et après on fera un troisième concours. Et en fait, c'est les quatre meilleurs des trois trucs. Non, mais. Je comprends plus, ouais. Non, mais en gros, en fait, si tu veux, est sept. On est sept, d'accord ouais. On a tous joué trois fois. Et en gros, c'est les quatre premiers de tous les trucs qui vont être en finale. Donc, il y a encore moyen de se qualifier. Tu vois? En fait, même si Charlène, Kevin... Et qui c'est qui a gagné? C'est toi. C'est Charlène qui a gagné, ça. Ouais. Et franchement, je pensais que c'était Jordan au début. Ouais, ou Amélie, parce qu'Amélie était forte aussi. Ouais, mais c'est que moi... En fait, je sais pas, des fois, elle, ça partait droit tout le temps.
Tu te rappelles Amélie? Ouais, mais en fait, Sharon, elle m'a montré la technique après. Mais oui, j'ai la technique. Ouais, j'ai la technique maintenant. Là, je te défonce. Mais moi, facile de dire ça quand t'es. J'ai pas voulu tricher. Quand c'est fini. Oh, il a pété là. Non, ah non. Non, c'est la porte. C'est la porte. Non, mais tu te fous de ma gueule là. Eh oh, le chat là. T'es bourré là. Arrête tes conneries. T'es bourré là. La gueule qu'il a fait à la caméra. La dernière vidéo de Fortnite en fait. La vidéo Fortnite. Oui, on parle avec Kevin. On est foncé là. Ouais, bah c'était le soir où vous étiez là. C'est ça, on me dit. Mais en fait, je trouvais ça sympa dans le concept de l'intégrer. Dans la vidéo, bah oui, du coup. Parce qu'en fait, tu me dis, justement, tu me dis avant, faudrait qu'on se fasse une soirée là. Ouais. Et là, je fais, vas-y, il faut que je mette une vidéo de la soirée. Je fais genre, boum, on repense à ça. Enfin, comme si je me remettais dans. Le petit remake. Ouais, le petit. Ouais, voilà. Et hop, le mec, il explique des trucs et tout. C'est trop bien. Ça veut rien dire. C'est le journal qui filmait, non? Non, c'était nous. Ah ouais, ouais j'étais comme ça en train de filmer, on se filmait. Hein. Bah, je me rappelais plus. Et aussi bah, l'iPhone, le dernier iPhone, il coûte cher. Mais il était mort aussi, tiens. Ouais, il était mort. Je sais pas si c'est du 11 au 11 Pro, au 13 Pro. Bah, excuse, contre, on n'a pas les mêmes moyens. Hein. On n'a pas tous une entreprise, attends. Moi, j'ai l'entreprise de. Toucha. Qui vaut rien, 0€. Toucha Industries, c'est 0€. Toucha Industries. Toucha Industries. Et en plus, tu sais, t'as YouTube, la dernière fois, ils m'ont fait un. Ils m'ont fait un. Là, ça commence. Là, écoutez-moi, bande de connards, je suis tout seul en train de parler. Non, on t'écoute pas. J'allais dire, il y a tout chaud. Non, il y a YouTube. La dernière fois, ils font des questionnaires et tout, parfois. Et tu dois répondre à des questions. Ils disent, ouais, vous avez gagné à peu près combien avec YouTube et tout, les derniers mois? Bah, la question, elle est vite répondue, hein. La question elle est vite répondue. 0 plus 0, bah, on est toujours à 0. Bah, tu vois la tête à Toto? Bah, c'est ça. c'est à peu près la tête à Toto, ouais, c'est bien rond. C'est bien rond. Alors, il faut vouloir les abonner quand même. Pour... C'est des ouf les mecs. Tu filmes dans ton dos là, Kevin? Ouais. Tu filmes derrière toi en fait. Bah, ils verront ma nuque, mais j'ai une belle nuque. Tu filmais moi en fait, je crois, pendant que vous parliez en fait. J'ai peut-être une. J'ai une belle nuque, c'est bon. Éléphant. C'est le combien celui-là, le 8? Ah oui, bah oui, parce que pour expliquer aux gens, en fait, on joue au jeu du 21. Alors comment expliquer le jeu du 21? En fait, on doit dire non, bah il y a non, un cadavre. Non, c'est pas cadavre stress. Ouais, mais en fait, bah oui, en fait, je vais expliquer la même manière qu'il a expliqué le bowling en fait. Ça va être dur d'expliquer le 21. On reviendra dans 2 heures, on sera là. Ouais. Cadavre. Comment expliquer le jeu du 21, putain? Bah tu comptes de 1 à 21. Non. En gros, le jeu du 21, c'est genre Gary là à côté de moi. Moi, je dis 1 2. Et je peux pas dire 3 chiffres. Gros plan sur les gros données. Je peux pas dire plus de 3 chiffres. Donc je vais dire 1, 2, 3 par exemple. Gary va dire 4, 5. L'autre va dire 6, 7, machin. Et celui qui tombe sur le 21, hop, il a le gage en gros c'est de boire un coup. Et il doit changer le chiffre par un mot. Donc il change par exemple 17 par Tosha. Et hop, donc on doit dire 16, Tosha 18. En gros c'est ça quoi. Et au bout d'un moment, et bah t'as beaucoup plus de mots que de chiffres. Et ça c'est une galère. Et c'est un jeu de mémoire. Franchement c'est cool. En vrai t'as cool. Beaucoup plus de chances de boire. Et Erwan c'est une merde. Et ouais. Depuis tout à l'heure il boit à limite. Mais c'est un mec qui a soif, Erwan, c'est pour ça. Grave. Il fait genre de pas trouver les mots alors qu'il sait mais il a soif. Attention. Ouais j'ai soif. Beaucoup attention. Soif. Attention. Oh. J'ai beaucoup travaillé donc j'ai le droit de beaucoup boire aussi. Bah moi j'ai beaucoup non j'ai pas travaillé. non, en fait non. Bon, il y a Erwan qui vient de péter les gars. Sentez cette odeur les gens. C'est dommage qu'ils peuvent pas sentir. Ah ouais. Amélie, ça se trouve elle a pété. Non mais ça pue à mort. Non t'as pété. Non je te jure t'as pété, c'est horrible. Il fait genre non arrête, vous soyez mort. Ah mais bon on est pas bien déjà là. Alors, en vrai ça sent fort. Il est malade. Non mais je te jure ça a vraiment une odeur de caca. Vraiment mais genre ça sent le caca. Vraiment. Mais non j'ai pas pété. Moi j'assume quand je pète. J'assume. Bon, non, ou alors c'est Amélie ou Charlie. C'est pas moi j'étais là. C'est une des deux. Est-ce que t'as senti une odeur hein, un non mais attends. Non mais moi j'ai pas senti. Ok. Donc toi tu dis que t'as pas pété. Non. Non, je pense qu'il aurait assumé. En vrai, il y a une des deux qui s'est chiée dessus là. Bah c'est Amélie, elle est pas bien, elle a mal au ventre Amélie. Amélie a pété. C'est la meuf de Gary qui a pété. Bon, tu passes fou. T'es là, tu passes fou. Hey, je suis désolé, mais je sentais vers là. C'était là où tu étais positionné. Après, je sais pas. Ouais, il a su. Non mais. Moi, j'assume vraiment de péter devant tout le monde. Moi, j'en ai rien à branler. Mais j'ai pas entendu. Donc, mais bon, c'est le pire. Justement, quand t'entends pas, c'est que fou. En général, c'est en peut-être que t'assumes plus parce que oui, t'en as marre. C'est un problème. C'est que si vous l'avez pas entendu, vous seriez mort.
Je sais pas, mais moi, tu vois, les paix comme ça, silencieux, je les appelle les Joseph. Ça fait. Ouais, j'ai Joseph. Tu sais, c'est. Moi, et les Patrick, c'est autre chose. T'es Patrick, c'est plus vénère. C'est les Joseph. Mais ceux-là, c'est les pires. Là, je peux jurer sur la tête de ma fille. Qui est en haut. Qui est encore. Et elle est peut-être décédée là maintenant, du coup. J'ai pas oublié. T'as tué sa queue. J'ai pas oublié. T'as pas pété là? Non. Ok, s'il a juré sur la tête de sa fille, c'est que c'est ta femme. On va trouver qui est qui. On va enquêter, genre un foot. C'est soit Charlène. Là. Ou Gary. C'est lui le coupable depuis tout à l'heure. On va mettre ça dans une éprouvée. C'est lui le coupable depuis tout à l'heure, c'est toi le coupable. Par contre, c'est pas moi, je te jure. La vie de ma mère. Tu vas pas tarder à péter, mais c'est pas moi. Ah, tu vas pas tarder à péter. Alors, je sais pas ce qu'on a mangé, mais c'est vrai que. Mais pourtant, t'as bien fait. C'était bonne la bouffe. Le bœuf. Le bœuf. Non, le bœuf, bah non, je sais pas. C'est vos crevettes. Hein. Les crevettes, tu crois que les crevettes ça fait ça? Non, mais en vrai, je me suis tapé une chaise du futur. Moi, j'ai pas mal. J'avoue que toi, t'avais une sacrée chasse. Ouais, ouais, j'ai une chasse du futur. J'ai parti, t'as eu limite la goutte. Ouais, limite, je transpirais. Ouais, t'as la goutte. Par contre, t'avais mangé avec crevettes grises. T'as mangé avec crevettes grises. Une seule, mais moi, c'est pas. Ouais, j'en ai mangé 5-6, quoi. Ouais, t'as mal au ventre. Ouais, c'était pas le premier. Sans ça, c'est plus bon. De... Non, ouais. Moi, j'ai pas mangé de crème grise. J'ai dit, t'avais des chiens aussi. Ouais. Ah, mais je t'aime bien, quoi. Je t'aime bien. Ouais, mais c'est qu'il y avait un problème quelque part, quand même. Moi, j'ai attendu la bonne année et après, je suis allé chier. Ouais, non, à minuit, moi, je suis allé chier après toi. Ouais. Ah, t'as été faire quelqu'un. Il y a Charlène avant. Et ça sentait encore? En fait, vous êtes allés tous les trois. Non, mais. Non, ça sentait pas. Il y a Charlène. L'ambiance, ouais. Je vais avoir une réclamation par YouTube. Mais ce son. Tu laisses 10 secondes. Je crois que quand tu laisses une musique en gros connue plus de 5 secondes, c'est là où tu prends des réclamations. Non, c'est 5. Je crois que c'est 5 secondes. Moi je crois que c'était 10. Et il y a des musiques connues que j'ai mis dans mes vidéos et que j'ai pas pris de réclamation parce que je les ai pas laissées longtemps. Ils ont pas vu encore. Ouais. C'est quoi Sarkozy? Ah bah tout à l'heure on était pareil, attends de parler politique. Attends, en vrai fais la bouche en petite poule comme les meufs là. Regarde. Attends, je vais te montrer. Il a une vieille tache rouge comme ça, tu sais. Toi, non, t'as pas encore. T'as pas bu assez. J'ai pas bu assez. Bah, je suis au whisky là. Je suis surtout au whisky. Le rouge, en fait, au bout d'un moment, le lendemain, surtout, t'es pas bien. Le whisky, c'est. Pour ça, faut boire des verres d'eau entre eux. Entre eux? Ouais, mais. T'as oublié le mot chaque, non? J'avoue qu'il fallait faire une fin de phrase, mais en vrai, ça passe bien. On rentre à la maison, on va boire un coup avec Gary. Et que avec Gary. On va faire un after. Je connais pas très bien les paroles. Mais non, mais je fais toujours le haut. Ah, il mate pas quoi. Je me rappelle le jour où je t'ai vu mon amour. Au détour des rumeurs. Qui aurait pu imaginer qu'elle a des yeux comme une étincelle. Qui me donne un nouvel avenir. De plaisir, je t'aime au-delà de toutes mes limites. Tu es ma number one, baby. Je te suis jusqu'au bout. Avant et bien amie, tu seras la seule, je l'avoue. On a pas dit la seule, je la. Bah, tu dis, on marche pas. Tu coupes comme ça alors que je suis en train de chanter. Là. Ça se fait quoi? Allez, on va boire un coup. Il est 6h30 et on va boire l'apéro. On est en Bretagne. On est en Bretagne. C'est bon, Izzy? La tête qui fait. Non, mais il est têche de la gamelle. Pépiteuse. Oui. Oh, oui. On se fait une moitié et moitié après une tout à l'heure. Ouais, t'as raison. Ouais, d'accord, vas-y, carrément. Parce que ça, voilà. Tu sais, dans une demi-heure, on aura envie de fumer. Ouais, t'sais. Vas-y, t'as raison. Alors, tu sais quoi, non, on va faire comme le trait. Non, je vais faire comme les trois frères. Ah, non, pas non, le pari. La moitié. Vas-y, fais sur la deuxième en même temps, comme ça, au moins, je pense. Ok. J'ai testé un peu trop bas. Hein. Non, c'est bien. Là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vas-y, on va dire c'est pas mal. Les gamins, quoi. C'est clair. Il a fait une vidéo avec David. En fait, ça m'énerve parce que David Lafarge, je connais tout le monde s'en battait les couilles. Mais en vrai, maintenant, tout le monde le suce.
Mais moi maintenant, tu sais, il a eu une. C'était la période. Ouais, il a eu une. Ouais, il a. En fait, c'est ça le mec, et il a tout rien lobby, lâché. David ouais. Lafarge. Maintenant, ouais, bah là, cette année. C'est j'allais faire ça, mais j'ai pas fait. En plus, tu vas allumer ta vie, barbe, tu vas faire bien. Je vais allumer ma barbe. Lorenzo, très bon rappeur, et puis même. Ouais, franchement, il est drôle le mec. Ouais. Même quand tu le regardes comme ça dans les vidéos et tout, en vrai, il est cool. Il a un style de ouf. En vrai, tu crois qu'il fait débile comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, débile dans le sens. Bah, en vrai, il non. Il est... Ouais, il a une tête. Ouais, c'est vrai qu'il a une vieille tête. Et par contre, il ressemble un peu à STH. Ouais, ouais, il y a un air. Vald, c'est pareil, j'adore. Ouais. Ah, j'adore les deux en fait. J'aime bien parce que, tu sais, ça fait plus rap que. Rap cliché un peu. Enfin. Tu vois, moi j'adore Booba, d'ailleurs c'est pas pour rien que je me suis fait tatouer Easy Life, hein. Je suis un fan de Booba, mais au bout d'un moment ça fait trop cliché, moi, rap, rap vénère, et tout, ouais, vénère machin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et que là lui, c'est eux, plus tranquille. Quoi. Ouais, c'est tranquille et ça fait rap, mais loin des clichés, d'ailleurs ils le disent en plus dans une de leurs musiques, dans Bizarre d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais, tout à l'heure on parlait de youtubeur et tout, mais on n'a pas parlé de Gotaga en vrai. Mais lui c'est un mec que j'aime bien. Gotaga. Le parce qu'on parlait humble, de Squeezie, on parlait de Inox machin, non, mais en vrai, moi, Gotaga. Franchement, pour moi, Squeezie, pour moi, il a pris un peu un melon. Ouais, mais tu vois, je trouve pas. J'adore. Mais après, je le suis plus trop, donc peut-être en fait, que c'est grâce à lui. Que... Et du coup, peut-être que maintenant, il a peut-être pris un melon. Par rapport à avant, Gotaga, que... lui, hyper humble. Ouais. Et surtout, très naturel. Genre, le mec, tu vois qu'il est pas timide. Il parle de tout sur ses lives. Mais il est presque timide, le mec. Ouais, en vrai. Même, il parle de tout. Ouais, il parle d'argent. Genre, il parle d'argent, il parle de tout, il parle de thunes. Il va te dire combien qu'il gagne, limite, il s'en bat les couilles. Et c'est ça. Il avait fait une vidéo il y a pas longtemps où il parlait de. Justement, quand il parlait de. Des thunes, tu sais, que ça coûtait son entreprise. Il disait, mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai peut-être. Tu sais, il parlait des subs, il disait, j'ai 500 subs. Donc 500 x 5. Le mec, il a, certes, la Gotaga, c'est une entreprise de ouf. Ah ouais, mais il embauche les gens, c'est comme Squeezie. Hein. Mais Gotaga, moi j'adore, dans le sens, le mec, il est bon, il est humble. Ouais. Enfin, il se la pète pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas un youtubeur pour moi. Pour moi, c'est plus un streamer qu'un youtubeur. Ouais, un animateur, un peu comme Dogbee, tu sais, maintenant. Animateur, non, parce qu'il anime pas de ouf non plus. Non, parce qu'il parle pas trop. Dogbee, c'est un animateur. Ouais. Lui, il est bon en animateur. Mmh. Par contre, Gota, il est bon en joueur. Mmh. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il se complète les deux. Quand genre, Gota, quand il a joué, par exemple, à Fortnite, quand il était en build fight. Ouais, contre build fight Ninja, tu vois, le mec, il était motivé. Ouais, ah oui. Parce qu'il a fait, il a battu un Ninja. Ah, il l'a battu? Ouais. Je me rappelle, je suis sûr que tu mets Ninja vs Gota, en vrai tu vas trouver. Moi Fortnite c'est pas mon jeu préféré si tu veux de tous les temps bien sûr. Non moi non plus mais j'adore regarder t'sais. Quand tu vois des bons joueurs c'est beau à voir du Fortnite. Et surtout quand tu vois des gros trucs tu sais avec des gros joueurs. Oh là là, les construits, les mecs ils te font G pour modifier. Bah, non. Non mais même tu vois tu sais t'as des. C'est ouf. Quand t'as les fights, tu sais en mode t'as 100 personnes et c'est 100 streamers mais chaud. Donc les mecs, et tu sais, à la fin, il reste une zone de merde, ils sont encore 50. Et là, les mecs, tu sais, Gota, je crois, il était avec Mikalo, avec je sais plus qui. Mais tu pourras mettre après, tu vas mettre... Ouais, je mettrai, t'inquiète. Tu mets Gota, Mikalo et je sais plus qui. Et les mecs, ils rigolent pas. Ce que j'aimerais, là, tu vois, 2022, j'aimerais qu'on fasse plus de vidéos ensemble, toi et moi, tu vois, genre... Faudrait qu'on se fasse tu sais, qu'on se cale un truc. Et qu'on se dise, vas-y, on se fait une partie de Ark, mais genre on joue genre 8 heures par jour.